Salut à vous les amis, comment allez-vous? On part sur un petit Draven, on continue les tests de full BF. J'ai pas encore fait tester 3 BF, pour l'instant j'aime bien le stuff à base de double BF pickaxe, franchement je trouve ça vraiment bien. Je vais voir là, peut-être je vais le faire triple BF sur Draven. Dans l'idée je trouve ça pas ouf, et c'est plus pour voir le power spike plus que une réelle bonne optimisation honnêtement. Donc je continue à le déconseiller pour l'instant. Je pense pas que je pourrais arriver avec mes... Non, je pourrais pas arriver avec mes deux haches en lane, je pense. Bon, je manque un peu d'XP sur Draven. Après, les lanes contre Azel sont assez simples. Sona c'est très fort en lane, mais j'ai Janna qui compense pas mal tout le poke que peut apporter Sona. Après en termes de sustain ça va être assez compliqué de les sortir. Putain c'est creep block. Ça va être assez compliqué de sortir Ezreal de la lane. Ok, on va commencer à prendre un peu d'agression sur elle. Oh, très mal joué de la part de Janna là. Si elle sortait pas du buzz j'aurais pu mettre 3 autos sur Sona, du coup j'ai pu en mettre qu'une. Elle joue vachement derrière. Ah, je sens que je n'ai pas aimé jouer avec ce support. Regardez son placement. Elle se met à range d'auto de moi à chaque fois. Regardez, regardez. Pas ouf. En termes de présence, c'est pas terrible malheureusement. Ça m'empêche vachement de mettre de la pression en lane. Après elle met des bons shields, rien à dire là-dessus. Faudrait que je peux avoir les deux creeps. Heureusement en termes de présence c'est pas... Putain elle shield la tour. No. Ah tout cool, qui fait le kill mid lane. Bah dis lui, j'ai pas le temps d'écrire mon ami malheureusement. J'ai une lane à jouer. Je pourrais lui dire c'est mon premier école. Parce que ça, je stack pas mal pour l'instant. Dommage parce qu'en plus elle joue Ignite. Je tire aggro. Oh, faut que j'ai raté un creep. Par là j'ai raté ma, je veux dire. On va passer niveau 4, on reprend une autre agression. La flash déjà. Oh là 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 là, c'est la BF là qui tombe. Bien joué Sakazix. Mec, tu passes challenger facile. Merci à toi, Anoxys. Ouais, Draven, beau jeu. Merci mec pour ton resub de 5 mois. C'est Karim Jungle. Can play more aggro in lane Janna, by the way. Stand that far behind. C'est parti pour une pick. Oh non, tout coup il s'est fait gank. Il démolit le mid en tout cas mon bro. Big Janna cause at lobby. Epic Janna, cause at lobby, think head, it's 100% loss. Ouais, c'est... Pourquoi ce serait 100% loss? Pourquoi est-ce qu'on aurait perdu la game?
Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'on avait lose? Four game and streak. Ok. Ça va être une bonne logique. Moi aussi, quand j'ai une game d'affilée, je me dis que forcément je vais lose. Avec Draven là, rien que les dégâts avec une BF là, genre je. Avec les shields de Jaina là, quand j'en aurai 3, ça va être incroyable. Hein. J'étais allé chercher le dive, c'était un peu trop agressif. Oh, j'imagine déjà les dégâts quand j'en aurai 3. Ça va être tellement bien, vite! Vite que je vois que j'en rachète une là. Oh là là. J'avais vu qu'il faisait la rico à la Ocean Ball, genre. Donc, elle a double BF, 164 d'AD. Un peu moins que Jhin, forcément. Incroyable, hein. Moi, honnêtement, je joue Ezreal. Je fais tab comme ça, je joue Ezreal. J'ai une petite tire, une épée longue. Je vois Draven double BF. Clairement, je me sens pas bien. Hein. Je me sens vraiment, vraiment pas bien. Oh là 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 là. Oh là là. C'est ça. E-out instantanément, mon ami. Respecte-moi. Honnêtement, pour avoir joué contre Draven, je peux dire que Ezreal, c'est le plus dur match-up qui existe. Enfin, plus dur. En tout cas, genre jouer S contre Draven, c'est trop dur. Le mec vous démolit tellement la gueule, c'est incroyable. Genre, vous faites zéro dégâts. Lui, vous avez l'impression qu'il vous envoie un bus sur la tête à chaque fois qu'il vous met une auto. Vous avez beau toucher vos Q, etc. C'est tellement dur de gagner le match-up. Alors là, en plus, je vous en parle même pas. Ah, c'est creep block, par contre, c'est frustrant. Peut-être pour ça que les gens font un sort fantôme sur Draven. J'aimerais savoir dans le chat qui s'est demandé, qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais rien savoir ça. Moi-même j'étais pas sûr que ça allait passer, mais je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est bien passé, c'est bien effectivement bien passé. Oh, c'est la troisième BF qui va tomber! Oh là 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 là, le battage de couilles est à son maximum! Et oui les amis. Non, prends pas ça, j'ai la BF à aller chercher là. Trolala. C'est tellement affaiblissant. C'est tellement affaiblissant. Triple BF, là du coup je fais quoi maintenant? Je fais bot, Zell, IE. Alors je fais bot, Zell, IE, Essence River. Non, bot, Zell, IE, Danseur Fantôme ou Rapidfire ou Statique, je sais pas trop. Peut-être une petite BT et après je fais Essence River, je pense. Je pense que je vais faire la BT avant l'Essence River. Ah, c'est la. Là c'est le rang 1 qui nous attend. Hein. Le problème c'est que tout le monde gagne trop en fait. Je peux pas pouvoir m'amuser si la game est trop free win. Ah, ça me jette sur la gueule, merci.
Parce que je vois que j'ai une 4ème BF. Oh là, ça devient trollesque. 4 BF, ça commence à être du troll. Pas les dives le mid. Oh 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 oh. Oh. C'est une auto hein. Après il y a le shield de Janna aussi mais... Dommage, elle aurait dû l'attendre au loup. Elle s'est montrée malheureusement. Si ça faisait titre à Poulou, ça aurait été pas mal. Bon, moi je fight hein, je fight hein. J'ai pas de flash pour les Chitsuna, c'est ça le problème. J'ai trop mal joué, putain, mon heal. Unlucky, almost at heal. Aïe, j'ai trop mal joué. Si si je suis un bon Draven, là si je suis un bon Draven, je fais triple kill. Déjà Karim, je l'ai outplay mentalement, parce qu'il pensait que j'allais vouloir m'échapper, du coup il est parti tout seul. C'était assez drôle. Bon, il est très court aussi, mais en gros... Oh bah, de toute façon, vous avez vu, il a pris la plante pour sauter, en pensant que moi j'allais la prendre. C'est complètement con d'ailleurs. Il pouvait juste se mettre là, rester collé à moi et taper. Ouais, mais du coup, je termine Lio, non? Termine Lio, c'est vraiment. Je peux one shot ça? Ah. Je vais faire ça. Mais juste pour le beau jeu. Si je crit. Si je crit, c'est la. Merde, c'est la fin de la game là. Go 5 BF. J'aurais pu en vrai. La game est tellement win, mais bon, j'ai vu trop tard en chat. Je n'ai point eu l'idée de moi-même. Je l'aurais fait sinon. J'ai encore le temps, hein. Je peux encore go encore des BF, hein. Genre, y'a pas de soucis, je peux faire full IE. Hein. J'ai un petit gant de combat, mais ça vaut que 400 gold, je peux le revendre, c'est pas un problème. N'inquiétez pas. Les BF vaincront. Et pour ceux qui se demandent, enfin le mec qui demande pourquoi est-ce que j'ai R sur, enfin E sur le RDK. En fait c'est pour tempo Ezreal Sona derrière, pour pas que je les CC s'enchaînent. Ah il a... Non il a pas d'armée. Attends parce que Orianna elle m'a pas encore trop croisé hein. Je peux mettre un petit dive là. Faut que j'ai cancé une auto, je voulais pas perdre mes haches. Je peux flash à shockwave. Putain, ils veulent pas se battre. Ils respectent trop. Je peux pas flash à shockwave et l'ulti de Senna par contre. Mais ça marche. Y'a pas un petit raid? Nice. Pas. Nice crit. C'est bon les amis. Le stuff est complet. La puissance est à nous. 317 d'années en 15 minutes. Je défie quelqu'un de faire mieux. Nice. Avec ça je vais faire BT avec sa essence river. Et après les deux autres je sais pas encore. Je pense que le game sera fini avant que j'ai le temps de terminer, à mon avis. Je pense que là ils sont pas prêts pour ce qui va se passer hein.
Je manque peut-être un tout petit peu attaque speed, il me faudrait des bots. Les bots DS, je pense que ça suffit vraiment. Je vais arrêter de farm déjà, j'ai plus besoin. J'ai déjà farmé trop de gold avec mon passif. J'ai déjà trop de CS. Maintenant on va se battre. Je peux pas. Le truc c'est que faire. Ouais. Faire Drektar c'est vraiment de la merde. Mais je peux spam les yeux. On va voir. Il faut se battre là, je vois que Singe. Je vois que Singe il est bien parti pour. Oh. 425 l'auto-attaque hein. On va s'imaginer les dégâts d'un petit critique. Ah, c'était un peu raté ça tout couille. Il me fuit! C'est nul! Viens te battre, Swain! Viens tester ma puissance, mon ami! Ah, très bonne choix, quoi, ça? C'est pour pas perdre ma hache, hein. Ah, c'était un peu trop. C'était un peu trop. My bad. Still 1, 4-1, it's ok. Elle m'a flashé, Arsena. De toute façon, je suis mort avant que Arsena me go, mais... C'est trop de puissance, genre. C'est plus que je peux en contenir, en fait. C'est ça, le problème. C'est trop. Je suis pas habitué à avoir autant de puissance en moi. Du coup, je me sens obligé de tout lâcher, ouais. On va faire une petite botte attack speed. Là, c'est bon, c'est bien. 1, 2 d'AS. Là, ça compense le fait que j'ai pas d'item attack speed. Et là on est bien. Là on est vraiment bien là. On va faire une BT je pense. Après Essence River ça monte à 40% de crit. Parce que BT je vais hard lifesteal dessus. Je peux éventuellement éventuellement battre les couilles et faire une BT. Et du coup j'aurai un lifesteal de psychopathe. Après je ferai pas tellement de dégâts. On verra combien de sous j'ai quand je back 2400, c'est genre 2300 ça le... Ouais 2300 Essence River. Les deux sont plus ou moins similaires. On va voir. Voilà le petit carapateur. Déjà c'est bien, j'ai de l'attack speed, ça fait plaisir. Oui, c'est la mort. J'ai envie de le flash en fait. Il y a un niveau de bataille de couilles en moi beaucoup trop élevé. Oh là là. Ça va être une BT, ça va être une BT que je vais prendre, c'est choisi. Contre le petit Ekarim là, il a failli succomber hein. J'ai un flash pour la shockwave. BT ça va être incroyable hein. J'ai besoin de sustain en fait pour pouvoir me battre. J'aurais plus de dégâts avec l'essence river mais je pourrais pas me battre assez en fait. C'est un gros problème ça de pas pouvoir se battre. On va se régénérer un peu là-dessus. Ah oui! Oh fuck, je suis nul. J'étais pas concentré sur le flash de Uchitsuna. Et une fois qu'elle m'a ult. Putain, fait chier. On peut pas. Mon manque de mécanique m'empêche de vraiment m'amuser, c'est un problème. Après, tout coup, il y a un V9 là, triple. Quadra? Ah, non pas de quadra.
Dommage. Avec plus de mécanique, je flash outil de sonar facilement. Et d'ailleurs, je me repositionne et bim bim bim. Mais bon. On va s'arrêter là-dessus. Un mauvais dernier fight. C'est la win tout de même. On va quand même chercher le petit S. Et les 30 LP qui tombent aussi avec. Ainsi que les bons dégâts. Bon écoutez les potes, si on passe le petit côté trolless de vraiment hard spam les BF. Honnêtement, le stuff WBF genre pickaxe va je pense parfaitement sur Draven. Honnêtement. Je pense que c'est l'un des rares qui va parfaitement. Bon là c'est faites pas ça, hein. Vous pouvez reproduire pas ça chez vous, ça c'est. C'était pour le plaisir du beau jeu. Mais mais voilà, faites genre WBF, pickaxe, Zil, IE, danseur fantôme ou Rapid Fire si vous voulez. Après soit BT, soit Essence River. Et après vous partez sur votre stuff normal. Ce sera le plus optique, je pense. Sur cette petite VOD de Draven vous aura plu, ça faisait longtemps que je n'avais pas mise. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les amis, à la prochaine. Tchuss.